Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, là, je me rends au salon de coiffure. Je vais juste passer au distributeur avant d'y aller. Je me suis coiffée vraiment grossièrement, j'ai rien fait de spécial. Et là, j'ai hâte de changer de tête. C'est parti. Alors, je suis au salon de Franck et là, je vais couper mes cheveux. Alors, un petit tour. Coucou. D'accord. Et ça ne l'est pas trop pour pas empêcher l'eau. C'est pour ça que en fait, la routine de soins qu'on donne, les quantités qu'on donne selon la longueur de cheveux et la densité, ça va juste suffire à avoir le cheveu qui est bien. Et il suffit juste de mettre un coup d'eau et après de se coiffer et ça claque aussi. D'accord. Parce que l'eau réactive le produit. D'accord. Donc du coup, voilà, nous, on donne des conseils avec ces produits-là, mais après, si la cliente, par exemple, elle fait elle-même ses produits avec un Romazone ou autre, hein, ou, voilà, on peut aussi la conseiller. D'accord. Mais après, c'est vrai qu'on conseille toujours de commencer en premier lieu avec un de nos pots, parce qu'au moins, on peut mieux la conseiller. Si elle rencontre des problèmes ou autre, on peut mieux la rediriger puisqu'on sait quel résultat on a avec nos produits. D'accord. Et on va dire que ça lui donne 6 à 9 mois de formation, entre guillemets. Donc, au bout de ces 6 mois, quand elle a fini le pot, ben, il y a même de savoir si tel ou tel produit va être bon pour son cheveu ou en mettant un produit qu'elle aura fait elle-même, peut-être qu'il est plus fluide que le nôtre ou plus compact, elle saura tout de suite le doser, donc savoir s'il faut en mettre un peu plus ou un peu moins. Ouais. Et au moins, voilà, elle a vraiment un point de comparaison plutôt que de se lancer dans les produits naturels et mettre un peu tout et ne pas savoir. Et finir par dire ben, mes cheveux n'aiment pas l'avocat, ils préfèrent le jojoba. Ouais. Ça y est, ma coupe, elle est finie. Ça donne ça. On a Franck qui balaye. Mes cheveux, ils partent. Tu fusais encore pour... Et Cécile à la caisse. Ben non. Ça y est, Franck a fini ma coupe. Merci Franck pour cette coupe. Il a bien compris ce que je voulais. Oui, high top, comme moi. Elle voulait la même coupe que moi. Et il y a Cécile qui est derrière. En fait, ils sont morts de rire parce que Franck ne voulait pas parler. Et Cécile lui dit parle. Donc voilà. Mais bon, c'était sympa. Il a pris son temps. Il a fait tout ce que je voulais. Je l'ai bien embêté. Et je suis contente du résultat. Il y en a un petit. Je remercie Franck pour cette coupe. Il a vraiment pris son temps, il m'a écouté, il m'a conseillé et d'ailleurs il donne de super conseils. Donc j'ai posé plein de questions un peu pour tester et tout et franchement au top. C'est un coiffeur qui va vous donner plein de conseils si vous débutez ou si vous ne connaissez pas vos cheveux. Il a vraiment pris son temps au fur et à mesure. Bon, j'étais un petit peu chiante, mais il est assez patient. Donc ça, c'était super. Et il a vraiment écouté, regardé ce que je voulais. Comme j'ai montré des photos, vous savez, mes aventures que j'ai eues avant, lorsque j'ai coupé la première fois mes cheveux. Bref, je n'ai pas tout raconté, mais j'ai eu des mésaventures lors de mes dernières coupes. Donc là, je suis vraiment contente parce que je pense que j'ai trouvé un coiffeur
qui pourra me couper les cheveux comme je veux. On peut discuter, on peut échanger. Je lui demande qu'est-ce qu'il en pense, si ça va aller. Et moi, je lui montre ce que je veux. Donc franchement, c'était un bel échange. On a beaucoup discuté. C'était super convivial. Il n'y avait que deux clients alors que j'ai eu mon rendez-vous. En plus, j'ai eu mon rendez-vous le lendemain. J'ai appelé le jeudi, j'ai eu mon rendez-vous le vendredi. Après, c'était un peu la chance. Il y avait de la place. Donc, franchement, j'étais contente. Ça a été rapide. Le prix était raisonnable. Donc, j'ai payé 41 €. Donc, pour ma coupe. Et il m'a fait un shampoing et il a mis un petit peu en forme. Donc, son salon, c'est principalement naturel. Voilà, pas de chaleur, pas de coloration, des produits très naturels, sans produits chimiques. Si vous êtes très, très naturel, je vous conseille ce salon de coiffure. Après, moi, je ne suis pas dans le 100% naturel. Je fais des colorations, je mets du gel, je fais de la chaleur. Donc voilà, moi, j'ai pas de limite. Mais lui, il est très dans le naturel. Et je trouve ça très bien pour les gens qui ne veulent pas mettre des produits néfastes dans leurs cheveux ou qui veulent retourner vraiment au naturel avec de bons produits qui vont vous hydrater les cheveux correctement. Moi, je connais mon cheveu. Je sais plus ou moins quand j'utilise des produits chimiques, comment, on va dire, les rétablir, voilà. Mais pour quelqu'un qui débute, franchement, je trouve qu'il est super. Et il y a Cécile qui est avec lui. Donc, franchement, tous les deux, ils font la paire. Je trouve que c'est un bon salon. Je vous fais de gros bisous. Mouah!